on a parlé de référendum. Pour qu'un référendum, il faut gagner une question, il faut gagner un texte, il faut gagner un document. Je dis, le document, c'est une constitution pour remplacer la constitution 1987. Là. Et tout d'abord, on a dit que nous avons un pays comme les États-Unis qui, 11 ans après l'indépendance, en 1976, en 1987, il y a une constitution qui, jusqu'à présent, c'est lui qui a la mode. En Haïti, un an après l'indépendance, en 1804, en 1805, il y a une constitution, et celle de 1805. Et de l'indépendance à aujourd'hui, nous sommes déjà arrivés dans 22 constitutions. Parce que nous mettons de côté partout sans l'ouverture en 1801, parce que le pays a pourquoi indépendant. Il y a pile de monde qui a fait gros études sur Haïti qui fait connaître que Haïti est un pays mangeur de constitution. Pour qui ça exactement? C'est parce que justement, toute constitution qui est faite là, il y a toujours gagné des problèmes en dedans. Soit il y a défendu des intérêts mesquins, ou bien aux sources de conflits, ou bien sources de corruption. C'est ça qui fait aujourd'hui à là, 34 ans après constitution 87 là, eh bien, en pile question à poser. D'ailleurs, ce n'est pas aujourd'hui à la question ça commence à poser. C'est depuis en 1994, dans tout gros débat, tout le monde est constitutionnaliste, écrivain, intellectuel et état généraux sectoriel, il a montré nécessité pour changer la constitution 87 là. Mais il a toujours demandé tout, il faut qu'on considère la donne, il faut qu'on toujours qu'on la donne, tout acquis démocratique. On a dit d'abord que en 1987, pour élaborer la constitution ça, eh bien, la peur de la peur, pote mounio, créer la peur tout, en dans la constitution 87 là. Et nous parlons de constitution qui, d'abord, n'a pas un paquet de failles qui en dans, d'abord, son constitution qui est idéale, un paquet d'articles là-dedans qui pas jamais capable de appliquer. Il y a un que nous connaissons très bien, c'est article 191 ans qui parlait de s'annuler conseil électoral permanent. Donc, depuis 87, nous avons un conseil électoral provisoire. Bon, il est vrai que nous avons quand même été campés en conseil électoral provisoire. Mais l'IPIGAP toujours, l'en allé dans l'article 87 jusqu'à 87.5 ans, qui mettait campé dans la constitution ça, un conseil interdépartemental qui n'a jamais mettait sous pied. En plus de ça, nous avons joint dans la constitution ça, 87 là, un caractère antidémocratique. L'en allé dans l'article 291 ans, qui mettait, qui vient faire un caractère, qui balait un caractère exclusif. Parce que, en démocratie, c'est pas un texte de loi qui mettait un groupe monde dehors, c'est le peuple lui-même qui a souveraineté, qui mettait un groupe monde dehors. À côté de ça, nous venons tout en constitution 87 qui est instaurée en dictature parlementaire, qui vient faire tout le monde qui est dans le gouvernement, par exemple, comme ministre, etc. Et ils viennent dépendre de parlementaires. Et ils viennent plus dépendre de parlementaires, tant à dépendre de gouvernement, premier ministre ou bien de président même. Donc, ils viennent une source de corruption là-dedans, côté tic-tic-tic-crac, il faut un job qui baille, il faut un argent qui baille. Nous venons tout en dans même constitution 87, ça, l'autre problème qui posait, puisque ils viennent faire de l'ARBA, on l'État dans l'État. Et qui s'active? C'est qu'en 87, c'est son régime militaire, il a pété constitution en campé, et bien, intérêt militaire qui est choisi. Les gens qui ont parlé de la constitution sont obligés de rentrer dans le, malheureusement. Et dans la même rubrique, ça, toujours, nous venons de joindre que plus de 90% des gens qui ont élaboré la constitution, ça, ils ont tous les députés, sénateurs, ils ont tous les candidats au Sénat ou à la députation en après. Donc c'est ça que fait, nous avons dans la constitution, ça, ils ont établi, ils ont instauré, ça nous est en dictature parlementaire. Donc ça veut dire que je dis à là, tout le monde sentit besoin, nécessité pour nous capables de changer la constitution. Il faut que nous suspendions de faire marronnage, suspendions de faire démagogie. Parce que je dis à là, nous avons l'État, un chef de l'État, qui vient avec l'idée. Mais son idée, l'Iran est officielle, mais qui n'a jamais depuis longtemps. Et je me dis là, depuis 1994, il y a un gros débat qui a fait sous la Constitution qui m'a dit qu'il faut qu'il change. Et je dis à pendant que le chef de l'État prend une décision pour le changer, eh bien, un pile problème posé. Ça vient créer une sorte de traumatisme. Pour que ça vienne comme ça de traumatisme, c'est parce que justement, au regard de l'histoire, nous avons dans l'exemple devant eux qui a un problème. Nous avons dit que les ont commencé avec question référendum, c'est en 1918. Mais qui ça, qui l'idée de porté à le faire, ça d'abord, c'est justement une question de droit de propriété aux étrangers.
n'a pas rappelé que dans la constitution 1805 là, eh bien on te dit article 12 article là, il faut connaître que quel que soit blanc pour pas yoté doit écrit étranger, mais qui blanc quand même parce que à l'époque ou bien jusqu'à présent pour étranger tant que blanc. Eh bien quel que soit étranger a, eh bien blanc qui mettait pied sous terre, il pas mettre pied sous territoire ça à titre de maître ou de propriétaire, il pas ta posséder et même à la longue, il pas ta posséder. Il y a besoin de contourner l'article ça, donc en référendum. Maintenant, puis des fois, on va jouer en 1928, 1935, 1939, on va jouer en 1961, on va jouer en 1971, en 1985 et en 1987 qui viennent adopter en constitution avec un référendum. Maintenant, ça qui vient, c'est que là, nous regardons tout référendum qui fait déjà, et tout ça qui fait déjà, le peuple a été voté oui pour yo. Et bien, c'est ça qui fait mon Dieu, une peur qu'on y a. Et bien, en dans tout ça qui est fait, tu as gagné intérêt mesquin qui t'a défendu. Par exemple, nous capable de résumer pour nous dire que tu as une question président sa vie, tu as une question prolongation de mandat en dans la constitution sa yo, tu as un problème éthi passe-coute, tu as un problème droit de propriété. Et bien, c'est ça qui fait jodi à la, ça crée un traumatisme pour nous. Mais on nous dit clairement que jodi à en 2021, et bien, les différents totalement de 1918, de tout ça nous sommes dit là comme référendum qui est fait. Jodi a son nécessité pour changer en constitution, pour venir avec en constitution qui reflétait aspiration peuple. Cependant, tout le monde nous dit, et il doit respecter tout dans la nouvelle constitution, et toute lettre qui nous fait là dans l'ouest respecter, ça nous relève les acquis démocratiques qui là-dedans. Maintenant, nous dit que jodi a pas de raison pour gagner un traumatisme. Et j'en me dis là, bon dramatisation, une certaine violence qui vient produire à travers ça, c'est parce que justement, et pas ouais, très souvent, nous pas ouais pays, nous est intérêt groupuscule, nous est intérêt personnel, nous pas ouais société. Or, c'est Montesquieu qui dit, les lois découlent de la nature des choses. Donc, en constitution lui-même, faut qu'il y ait toujours des changements qui portent là-dedans, même si nous sommes tout à l'heure que depuis naissance États-Unis jusqu'à présent, sont seuls les gagnés, mais non seuls là, il y a 27 amendements qui fait. Ça veut dire chaque fois que la société a évolué, il faut qu'on change la constitution. Là, nous ne pouvons pas nous en Haïti, non seulement nous avons pile article dans l'eau, nous avons un petit article là, article, c'est 1807 avec 50 articles, 47 là, 298, mais l'on garde, eh bien, dans tout le bagage, c'est intérêt au groupe, au classe qui a défendu la donne. Donc, les peuples absents, il faut qu'il y ait un changement qui fait la donne de temps en temps. Je dis à la, référendum, non, pour moi-même, au regard de l'histoire, au regard même de la politique, c'est un bagage qui est totalement indispensable. Merci.